Ouais, c'est vrai qu'on a fait une bonne première mi-temps, on menait 1-0. Après, on a pris deux buts, je pense qu'il nous a mis un peu dedans, mais après, je pense qu'on a vu le caractère de l'équipe, le caractère d'un groupe, et c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Ouais, alhamdoulilah, j'attendais ça depuis un bon moment. J'espère que ce sera le premier d'une longue série, Inch'Allah. Et ouais, je suis très content, et en plus, c'est la victoire au bout. C'est un nouveau cycle qui commence, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau coach. Donc on essaye de bien faire les choses, de bien travailler ensemble parce qu'on est une très belle génération. Et Inch'Allah, petit à petit, on va peaufiner les choses. Et Inch'Allah, on va continuer comme ça pour remporter le maximum de matchs possibles et surtout les échéances qui arrivent. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on a vu, comme je dis, le caractère d'une équipe. Et surtout que les entrants ils nous ont fait énormément de bien et c'est là qu'on voit la force d'un groupe. C'est là qu'on voit la force d'un groupe. Les entrants ils ont apporté le petit plus qui nous a fait gagner le match. Et aujourd'hui on est tous très contents de cette victoire et Inch'Allah on va continuer à bosser. Ouais bah du début jusqu'à la fin ils nous ont supportés, ils n'ont pas lâché. On sait que le peuple algérien est un peuple de football. Donc on savait qu'ils allaient être derrière nous et on a poussé jusqu'au bout. Et grâce à eux, on a mis ces deux buts qui nous ont fait gagner le match. Oui, bien sûr, de toujours nous supporter comme ils le font très bien. D'être derrière nous et d'être passeur aussi parce qu'il y a un nouveau coach, un nouveau cycle, des nouveaux joueurs. Et Inch'Allah, ça va le faire, on va le faire tous ensemble. Bah, il a des idées claires, il nous a direct, dès les premiers entraînements, on fait part de ses idées. Et après, c'est vrai que les rassemblements, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Mais on a quand même bien travaillé et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Mais encore, il y a encore des rassemblements et d'autres rassemblements pour préparer les matchs importants qui arrivent. Et aussi de continuer à faire ce qu'il demande. Bah, c'est vrai qu'on est une famille, on est tous ensemble, on est tous des frères. Il n'y a pas un joueur au-dessus de l'autre. Donc tout le monde est au même niveau, on joue pour l'Algérie avant tout, c'est l'Algérie avant tout. Et je pense que c'est ça qui fait notre force. Ouais, bah, déjà je remercie tout le monde, je remercie le coach pour m'avoir libéré parce que j'ai un empêchement familial qui fait que je dois rentrer. Donc il m'a libéré et je le remercie pour ça parce que j'avais fait part de ça. Donc il m'a écouté et je sais que c'est quelqu'un qui est très humain. Donc je le remercie et je remercie aussi le staff, tout le monde. Et voilà, et j'espère Inch'Allah que le deuxième match va bien se passer, qu'on va gagner. En tout cas, je regarderai le match. Et Inch'Allah, ça fait tout comme à tous les Algériens.